Voilà, finale junior cruiser avec le numéro 1, Tim Sauvin, Tim Rocketura, attention, mais ce n'est pas forcément lui qui va sortir en tête. Oui, attention, il va falloir se faire d'être après là, un peloton pour le moment qui se présente vraiment extrêmement regroupé, avec malgré tout un pilote qui a pris les médias chez lui maintenant, il va être très difficile évidemment à rejoindre. Il s'agit de Rodolphe Danone en l'occurrence, Rodolphe Danone donc en tête alors qu'on vient de passer le stade de la mi-course. Et d'ailleurs, on essaie évidemment de faire organiser immédiatement le bouton Matissa qui est à la deuxième position avec Thomas Chemin qui est en train de suivre le retour Tim Sauvin comme. Tim Sauvin, donc on va aller tout d'abord pour les deux et troisième place. Tim Sauvin qui a déjà récupéré la première position. Et devant toujours Rodolphe Danone, attention dans les derniers mètres. Maintenant, est-ce que Tim Sauvin peut encore aller chercher la victoire? Ça va se jouer dans les derniers mètres, ce sera trop court, vainqueur donc Rodolphe Danone.